Dîner de presse entre le maire Charlemagne Niangkoti et les professionnels des médias partenaires de la mairie de Porte-Nouveau. Cette rencontre conviviale est organisée avec le soutien du conseil de supervision pour exprimer la reconnaissance de l'autorité communale à ces hommes de médias pour leur contribution à la visibilité des actions de la mairie. Aujourd'hui, je peux dire avec fierté que si Porte-Nouveau surorbite à des niveaux donnés, si tout ce que nous faisons ici dans la ville de Porte-Nouveau, tous les efforts que nous fournissons pour faire de notre ville une véritable capitale, pour accompagner aussi tout ce que le gouvernement est en train de faire, c'est grâce à ce que vous faites à nos côtés. Est-ce que le partenariat nous permet de vous rétribuer à la hauteur de vos efforts? Je ne le pense pas. Ce sacrifice que vous faites, nous avons le devoir de vous le reconnaître et de trouver un instant pour vous témoigner notre reconnaissance. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je crois qu'à notre niveau et au niveau du conseil de supervision, nous travaillons pour que ces conditions soient améliorées pour les fois à venir. Ce dîner est une occasion de convivialité qui suscite l'expression plus libre et détachée des idées. L'initiative de la mairie de Porte-Nouveau est fortement saluée par les journalistes invités à ce dîner de presse. Et d'autant plus que le maire est grand ami de la presse. Les mots qu'il a employés ce soir nous sont allés tout droit au cœur. Nous avons constaté donc que le maire est conscient des difficultés que nous rencontrons dans le travail que nous faisons avec la mairie de Porte-Nouveau. Que les efforts que nous faisons soient reconnus et accompagnés à sa juste valeur. Par ailleurs, le maire Charlemagne Niangkoti a invité les hommes des médias à davantage œuvrer pour le développement de la ville au plan communicationnel. Tout ce que nous sommes en train de faire dans le domaine de la culture, de la révélation, de tout ce que nous avons comme valeur endogène, on n'a pas encore eu le temps d'en parler suffisamment. Et tout ce que nous faisons également dans la gestion des ressources humaines au niveau de la ville, je compte beaucoup sur vous pour que tout ceci soit compris et comme cela se doit. Passé l'étape des discours, un buffet est ouvert avec la dégustation de mets locaux.